célébrés parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. It will not be just also according to the Antichrist to celebrate it if it's not in the Bible. Mais bien aimé comme Paul, but as Paul said, qui a déclaré aux Athéniens, who declared to the Athens, nous devons trouver des moyens d'expliquer Noël et de gagner des âmes à ceux-là qui se perdent et qui ne connaissent pas la vraie signification de la venue du Messie. We have to find ways to explain Christmas and to win souls to win the souls of those who don't know about the coming of the Messiah. Beaucoup célèbrent Noël sans comprendre la profondeur la signification de Noël et à nous de leur dire la signification de Noël. Many celebrate Christmas without understanding the significance of it, and it's up to us to tell them what it means. Qui est le salut de Dieu qui s'est manifesté à tout le peuple du monde? Which is the salvation of God which was manifested to all of the people. Et avec Siméon, comme dans Luc au chapitre 2, dans Luc 2, 29 à 31 que nous avons lu. And as in Luke 2, verse 21 to 30. 29 à 31, nous pouvons dire avec Simeon, maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. He says, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples. Bien-aimés, nous célébrons ce jour de manière conventionnelle. Nous commémorons la naissance du Messie, le salut qui est entré dans le monde. Beloved, today we commemorate the coming of the Savior, the coming of the Messiah into the world. Le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Amen. The salvation that God prepared in front of all the people. Que le Seigneur nous bénisse. And may the Lord bless us. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we bless you. Merci parce que tu nous as aimés. Thank you because you loved us. Et tu as donné ton Fils unique, Jésus. And you gave your only son Jesus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. So that whosoever believes in him shall not perish. Merci pour have ton salut. Thank you for your salvation. Au nom de Jésus. In the name of Je Jesus. Voudrais ce matin prier avec toi si tu n'as pas encore reçu Jésus, and le salut de Dieu, comme ton Seigneur et Sauveur. This morning I want to pray with you if you have not received Jesus as your Lord and Savior. Prions, dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te reçois dans mon cœur. I receive you in my heart. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. As my Lord and Savior. Lave-moi dans ton sang. Wash me in your blood. Que tu as versé à la croix pour moi. That you spilled on the cross for me. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. De m'avoir sauvé. For saving me. Maintenant. Now, je sais I know que je ne suis plus un pécheur. That I am no longer a sinner. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of God. Inscris mon nom write my name dans le livre de vie in the book of life, qui est dans le ciel. Which is in heaven. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière par la foi, by faith, tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Amen. Amen. Sois béni. Be blessed. Sois célébré. Sois magnifié, Amen. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.